Est-ce que un chrétien capable faire tatou sur corps lui? Eh bien, c'est de ça nous va parler là. Est-ce que un chrétien capable mettre tatou sur poule? Eh bien, ma foi qu'on est que rubrique ça relé question tabou. C'est une rubrique que nous porter pour nous parler de sujets, de bagailles, de questions à poser, de questions pas faciles à poser dans l'église ou du moins c'est dans un message ou du moins dans une étude. Ou du moins dans la société, et ça qui est question tabou, hein? Des questions que nous pas vraiment abordé, mais qui là, question qui là qui gagne importance, mais nous pas vraiment parlé de eux. Eh bien, je vais porter le bout aujourd'hui, ça. Question tabou. Je vais porter le rubik ça au moins une fois par semaine, nous gagnons pour nous voir le rubik ça. Qui ça la Bible dit dans le bagage ça? Eh bien, avant d'aller plus loin, on nous fait un coup de définition et historique de tatou. Yo fait connait que tatouage là c'est un graphisme indélébile que yo mettez sous peau. Moun ka fait tatouage pour ali mettez li nan peau, nan derm, on connait pour gagne derm, gagne épiderme, li mettez nan peau et li ska comme si li mettez l'en façon qui et ben on baille comme si on va juste retirer comme ça. Pas penser que tatouage là c'est un bagage qui fait pareil. Non, son bagage qui là longtemps. Hein? Yo te kon nou te kon wè tatou sou momi égyptienne, moun sa ote toujou tatoué et bagay ki date longtemps et avant Jésus-Christ. Tatouage la c'était une pratique religieuse qui était très courante. En 330, l'empereur romain Constantin li fait un décret qui interdit tatouage facial, comme si moun fait tatouage nan figi. En 787, le pape Adrien li interdit catholique pour faire tatou. Journée jodia, qui ça que nous est? Nous un phénomène ça li prend de plus en plus d'ampleur et son mode. On en fait tatou sur lui et mais nous plus souhait ça dans monde qui pas l'église, dit monde qui pas chrétien. Nous est plus ça dans commun sous pour monde qui pas chrétien. En nous kounya, qui ça la Bible dit de bagay ça? Dans Lévitique 19, verset 28, il dit « Vous ne ferez pas d'incision sur votre corps pour un mort et vous ne ferez pas de tatouage. Je suis l'Éternel. » Le terme hébreu que vous utilisez là, c'est « ketobet ». Ketobet là, c'est un bagage capable de traduire par une impression. Yon inscription, yon marque qui nan peau, qui nan chair, que nous capables de dire que yon tatouage. Ça, c'était l'Ancien Testament. On garde le Nouveau Testament. On garde ensemble avec Galates 6, verset 17. Il dit que personne désormais ne me fasse de peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. C'est ça qui est le stigma. On m'a collé ou tatoué sous le corps. Ok? Dans tant longtemps, esclaves, yo, soldats, yo, yo te mette un nom sous le corps, un marque sous le corps, pour dimension tatou, yo mette sous le corps, pour être capable d'identifier, comme si pour être capable d'indiquer et appartenance avec pour dire même monde debout et monde ça dans la rue gantan ouais gon marque sur lui soit les marqué non mettre lui pour gantan connait et pour qui monde ça est pour qui monde esclave ça est. OK, nous capable garder tout Exode 21 verset 6 et Deutéronome 15 verset 17. Nous capable lire ça autour. Question gain pour kounya, est-ce que bon Dieu remet ou du moins accepter tatouage? Le wapli Esaïe 49, verset 16, wapwel dit, vois, je t'ai gravé sur mes mains. Le verbe chakak traduit ici par gravé. Et Moussa li paraît au moins 19 fois dans la Bible. Dans le verset ça, tatouage là, c'est un rappel permanent de l'amour fidèle que Dieu a pour nous. Li gen sens gravé, yon bagay sous corps, sous peau. Li gen pour but pour commémorer en permanence. Question, non au tatouage? Un passage que nous-mêmes chrétiens nous souvent utilisé pour nous opposer à pratique ça, c'est 1 Corinthiens 6 verset 19
à 20. On regarde ensemble qui ça veut dire. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça me plaît, nous connaissons dans le verset ça que je souhaite là. Si nous regardons tout verset avant, comme si verset précédent, nous avons constaté que nous avons parlé d'immoralité sexuelle, fornication, etc. Et là, ça a été, nous avons parlé de corps, mais corps est le temple de cet esprit, etc. Nous avons parlé d'immoralité sexuelle. Notez ça. Si nous utilisons verset ça pour nous interdire tatouage, c'est une extrapolation. Après tout ça, je dis là, comment nous capables de conclure? Qui ça que nous devons retenir dans tout ça que je dis là? Comment nous capables de faire conclusion? Ça que je voulais nous retenir, c'est que le texte biblique nous dit, pas permettre nous opposer une interdiction formelle à la pratique du tatouage corporel. Elle pas permettre que nous mettons interdiction pour nous dire, hey, si vous avez un tatou sur vous, ou pas sauver, si vous avez un tatou sur il dit clairement que au pape héritier va homme celle-là. Non. Il texte nous souhaite pas dit ça. OK? Si nous t'a dit ça, nous t'a dit ça. Comment on va comprendre monde qui en prend exemple parce que seulement Haïti qui va concerne par exemple États-Unis. Nous grand ouais monde sous chair, pile tatou sous pou yo, il a prêché pasteur qui tatou etc. Soit avant ou était chrétien ou du moins malgré ou vin chrétien yo toujours qui te tatouage sou pou yo yo ava adoré ou moun yo grand adorateur et puis tatou sou pou yo et pas seulement États-Unis notre pays yo tout est-ce que ka conclu pour dire moun sa yo pas sauvé réponds-moi donc c'est à nous même chaque chrétien pour nous développer conviction nous dans la prière pour nous agir avec sagesse et surtout pas juger moun qui gagne tatou sou pou. Parce que bon Dieu lui-même il va juger. OK? Ou même pas monter plus que bon Dieu, pas juger moi. Sinon, ou a péché, pas juger monde qui est tatou. Pas dit que oh monde qui notre nation yo pas sauvé, regardez au monde qui a prêché tatou sous Paul, bon Dieu pas tendre prêcher ça, bon Dieu pas tendre adoration ça. Pas entrer dans ça. Pas juger moi. Ou même ou pas faire tatouage, peut-être que ou estimer que sous fait tatou soumettre tatou sous peau ça a fait que ou pas en harmonie ensemble avec mon Dieu. That's it. Et que on prend décision pas fait tatou sous peau. Ça c'est conviction pour. Et ou était avec conviction pour. OK? Mais pas faire jugement, pas juger l'autre monde ouais qui gagne l'autre nation qui gagne tatou sous peau. Merci à vous même qui t'es prend temps, qui t'es pensé, qui t'a regardé vidéo ça. Question tabou, je crois que nous t'es joignent dans ça que nous t'es porté pour nous. Même veut nous qu'un bon seul bagage dans tout ça que nous dit. Je dis là que mais même personnellement moi pas fait tatou, moi pas entré dans logique tatou ça. Mais tout moi pas juger monde qui gagne tatou pour me dire que monde ça pas sauvé. Mais il y a deux sujets tabous que je vais porter pour nous semaine qui vient. Nadine qui est n'a choisi dans deux ça. Premier c'est est-ce que un chrétien capable porter des âmes? Et deuxième question tabou, est-ce que sexe avant le mariage c'est un péché? Est-ce que sexe avant mariage c'est un péché? OK? Faites-moi connaître dans commentaire, m'attendre nous pour me choisir qui sujet tabou, question tabou pour porter pour nous semaine qui vient.